Mais il y a un chef gang, attention, hein, il y a un chef gang qui est plus dangereux que tout. Chef gang, ça, il y a une capacité pour jouer dans l'esprit moun, pour faire railler moun, il y a une capacité pour diaboliser moun. Et ça, pirel, chef gang, ça, il y a une capacité non seulement pour faire passer comme bon monde, mais pour faire passer pour plus bon monde. Monde qui est plus honnête, monde qui est plus sérieux, monde qui est plus crédible. Donc chef gang ça, c'est chef gang qui est plus dangereux, c'est comprend où qu'on est. M'a parlé de chef gang Biloa. Chef gang Miloa, c'est premier responsable dans le monde président Jovenel Moïse. Deux arguments pour m'appuyer énoncer ça. D'abord, c'est l'idée d'une capacité mobiliser, il y a des centaines de monde qui ont appelé à part Jovenel Moïse, qui diabolisait Jovenel Moïse la journée et le soir, là, le plan, sac, valise, l'argent, non mais Jovenel Moïse. Chef gang ça, responsable de Jovenel Moïse, mais argument clé, lui piégé. Jovenel Moïse, lui fait passer comme professeur idéologie, Jovenel Moïse, et lui bali mauvais conseil. Ou encore, lui bali un conseil que Jovenel Moïse, pour qu'on te gagne maturité idéologique pour être capable d'aborder. C'est chef gang ça qui conseillait Jovenel Moïse pour te bourrer avec maladresse vers pays qui l'ennemi États-Unis d'Amérique en parlant de la Russie. Et c'est première cause l'homme Jovenel Moïse, c'est pour débrouiller des faits vers la Russie. Et n'a pas songé, jour où assassiné Jovenel Moïse, eh bien, il était tout essayé par ses grands professeurs. Jovenel Moïse, c'est élève là, professeur. C'est chef gang Miloa, j'étais tout démarqué la caille chef gang Miloa pour te finir avec ça. Mais lui était déjà pour les causes, lui l'a des pieds, lui cherchait nous pas joindre. Chef gang Miloa, parti point éthique et morale, parti politique, petit Dessaline condamné parce que lui voyait des militants à faire tentative pour assassiner Père Amos Georges, qui est responsable à courant éthique et morale dans le parti politique Petit Dessaline. Courant éthique et morale dans le parti politique Petit Dessaline, content ouais, nous en foule. En masse pour nous venir capter. Parole vérité qui fait nègre, fait tintin. Pour commencer, aider. Baille, bon Dieu, gloire. Pour Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque de Miragouane-en-Savo, qui passait la flamme du feu, mais qui restait bien vivant. La flamme du feu criminel, et malgré tout, je dis à lui sous deux pieds, l'a fait service bon Dieu. Dimanche, plutôt samedi, qui était 3 août, Monseigneur l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Mésidore, le roi, t'es rapidement dit un petit mot. Il dit,
Monseigneur Pierre-Alain Dumas a porté souffrance peuple haïtien. Oui, c'est un grand défenseur droit peuple haïtien, Monseigneur Pierre-Alain Dumas. Et c'est pour ça qu'il a tué lui, il a passé la flamme du feu. Mais bon Dieu, Kembel vivant, et me l'a dit. Si bon Dieu n'a pas Kembe, Monseigneur Pierre-André Dumas vivant, la Kembe, pays d'Haïti, vivant tout. Et qu'on est là, il est une bonne nom, il y a une petite grâce dans l'histoire, fondation, parti politique, petite Dessalines. Nous, dans l'année 2017, janvier 2017, secrétaire général, plateforme Petite Dessalines, c'est ça qui existait alors, c'est ça qui a une élection, perdu élection. Et qu'on y est là, président Jovenel Moïse, qui a gagné l'élection, qui a gagné intention, et nous pouvons le défaillir. Yon cabinet d'ouverture. On y est là, en dedans, plateforme Petite Dessalines, c'est ça qui est alors. Président Jovenel Moïse, il a intention de choisir Père Amos Georges comme yon en ministre. Et un jour, Michita, moi, député, ancien député costumé, qui passait côté, qui dit mon père, secrétaire général, plateforme lundi, pour me mener en Mali. Il dit, m'occuper, il me dit, ah non, il dit, pas du tout. Effectivement, il déplace Mali, il me dit, moi, secrétaire général, là, qui dit, mon père, il me dit, non, bagay, oui. Il dit, ça, il est secrétaire général. Il me dit, le ministre. Il dit, bon, il dit, son rumeur, on ne connaît pas. Il dit, bon, de toute façon, que c'est rumeur, que c'est vérité, nous ne pouvons pas entrer dans aucun gouvernement qui n'est pas gouvernement petit de Sali. Nous pouvons faire des outils pas nous pour nous gommer sous terre pour nous changer le pays. Écoutez, mon père. Et juste un mot. Ok, d'accord. D'accord, on va continuer. Ici, juste dans ce moment-là, ces plateformes Petite Dessalines qui existaient, nous avons quitté la plateforme-là, by Dr. Papillon, nous-mêmes, nous pouvons faire partie politique Petite Dessalines. PPPD. 3P plus D. Pas de problème, et là même, nous mettons sous travail, nous rédiger des documents, et puis nous faire cotisation pour nous payer, la caille notaire et la même partie politique Petite Dessalines sous pied. Et capable de nous quelques références parmi les gens qui font des parties ça. Bon, il y a moi-même, Père Amos Georges, il y a M. Gracien Jean, il y a Biron Odigé, ingénieur Jean-Son Di. Il y a Ilotan Senatus, il y a Jean-Silus Aristide, il y a Madame Duroso, il y a docteur, non, plutôt député Jean-Claude Lupé, il y a docteur, oui, Gracia Jean, il y a Fisnel Sinal, il y a Sayo que je cite là, mais c'était yon quarantaine. Voilà, on fait un historique ça, parce que, si monsieur qui t'a parlé l'autre jour, il a dit oui, mais moi je vois, c'est dans un plan de petit Dessalines qui était hier, et pas de jeune, non, et parti politique, petit Dessalines. Eh bien, dis-nous que moi-même, c'est membre fondateur, parti politique, petit Dessalines. Et dans le directoire parti, dans le ministère de la Justice, moi signé comme
responsable, éthique et morale, parti politique de cette famille. Qui t'aime dit non, mes amis? Nous connaissons pays chargé avec gang. Et chaque gang gagne un chef. Nous te dit, nous ne pas quitter Père George pour cause. En dehors de tout support que lui-même gagne dans le parti politique, qui est responsable éthique et morale, nous-mêmes dans l'opération de Haïti, nous avons vraiment le travail sous côté pour nous faire une réponse légale pour vraiment ça va changer pour nous. Sous base ça, en dehors de tout cabinet d'avocat Père George gagne, plus de deux cabinets lui-même, nous-mêmes dans l'opération Libéré Haïti, dans le bloc avocat, nous comptons mettre avec cabinet Palio pour nous faire plus de 3-4 cabinets d'avocats pour la protection formelle à parquet de la Croix des Bouquets pour tout vagabond. J'ai tenté de retirer vie et à mon Georges qui fait ça au livre de fête, et bien pour nous répondre à la question de la justice, pour nous connaître qui est. Et pour nous dire qui est. Auteur intellectuel crime ça. La tentative d'assassinat sont crimes. Sous base ça, la presse, comme Père Amos Georges et tout le parti politique et vraiment politique, petit dessalé, responsable éthique et morale, qui ont déjà parlé. Nous-mêmes, l'opération de Haïti, nous avons trois bagages à dire. Nous avons seulement dit pays, il faut nous veiller, Negio. Les qui disent nous pas rentrer dans l'illégal, l'illégal régné. Eh bien, les qui disent nous pas rentrer dans le conseil présidentiel, les qui disent nous rentrer. Les qui disent nous pas font bon bagaille, nous faisons. Mais je dis, grâce avec mon honnête, qui est dans le parti politique qui est Saline, et Père Amos Georges, et tout l'autre monde qui est dans le même courant avec nous, nous dénoncer ça, et nous éviter. Lundi 22 août, nous avons une méga et conférence de Bakabay pour nous parler de Datsa. Je vous dis qui ça nous représente. Je pense que nous avons Père Amos Georges là et nous avons l'autre monde là tout pour nous parler du 22 août, parti PIA. Est-ce que nous d'accord, conseil présidentiel Sakla? Non! Est-ce que nous d'accord, conseil présidentiel Sakla? Non! Est-ce que nous d'accord, Jean-Gary Konya dirige là? Non! Et le peuple a dit non, Gary Konya, on s'en fait. Conseil présidentiel là, deux casés, Gary Konya, on doit être libéré. Merci. Le cheve, notre tête, Père Amos Georges Gaché, nous voyons qui est-ce qui peut faire. Chef de Milo! Si on prend le cheve, notre tête, quel que soit le monde qui présente là, Lâcher, nous voyons qui est-ce qui nous fait. Il a demandé à la justice. Moun qui était agressé, Père Amos Georges. Moun qui était derrière les tentatives d'assassinat, auteur intellectuel là, et la vie, Père Amos Georges sous compte nous. La vie, tout le monde ça qui est là sous compte nous, et nous voyons pas bien. Merci.